pouvoir se développer avec tout cet espace. C'est ce qu'on espère, en tout cas. À pic, pionnière. Encore une minute et ces charognards nous auraient tous dépecés. Vous plaisantez, non? Qui sait? Il y a des histoires qui circulent. La désolation rend les gens un peu instables. Vous pourriez demander de l'aide, vous croyez? Bien sûr. Sam, transmet notre position aux tempêtes et dis-leur d'envoyer une navette. C'est fait, pionnière. Les secours arrivent. On reste ici en attendant la navette. On ne devrait pas avoir d'autres problèmes d'ici là. Encore merci. Je pensais qu'on était cuit. Dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Attention, gouffre. Sam, c'est moi ou il fait encore plus chaud? L'indice de chaleur grimpe en flèche. Votre corps ne va pas le supporter longtemps. Je vous recommande... Je vois un camp dehors la loi, là-bas. Ryder, j'ai analysé les scans que vous m'avez envoyés. J'ai trouvé quelque chose d'étrange. Les neurones de tous les charognards fonctionnent à un rythme anormal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est qu'une théorie,
Mais je pense que certaines personnes sont plus sensibles aux complications qui surviennent parfois en cryo. Leur réseau neuronal a été... Puisqu'on est là, on devrait chercher des informations sur l'Odanéa. Si on allait voir dans son bureau. Je crois que c'est le bureau d'Anéa. Je vous préviendrai si des gardes arrivent. Essayez d'entrer. Évidemment, c'est verrouillé. Un scan devrait permettre de déterminer la marche à suivre, pionnière. On y est. Faisons vite, Anéa pourrait revenir. Dès qu'on sera sorti d'ici, je te défonce. J'ai le code pour la porte du bureau. Un lac souterrain, c'est là qu'elle puise son eau. J'ai les coordonnées, filons d'ici. Elle a encore augmenté le prix de la flotte. La chaleur s'intensifie. Système de survie rétabli. Des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière.
Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. Je me demande bien ce que les créateurs des reliquats comptaient faire ici. Vous me décevez, pionnière. Je vous pensais digne de confiance. Je vous accueille dans mon refuge, et vous me remerciez en me pillant. Hé, j'ai rien pris. J'ai laissé chacune de vos précieuses gouttes d'eau à sa place. Vous pouvez les recompter si vous voulez. Très amusant. Vous savez pourquoi je fais ça ? Mon frère a essayé d'aider les vôtres quand ils sont arrivés ici. Il leur a montré où trouver refuge. Il leur a permis de se servir librement dans nos réserves d'eau. Et ils l'ont remercié en le tuant. Je ferai pas la même erreur qu'Asgard. C'est affreux. Toutes mes condoléances. Je me fiche de vos condoléances. Vous pouvez les garder. Ces charognards ne respectent personne. Ni vous, ni moi. Mais ils respectent la planète. Tant que leur survie dépendra de moi, ils suivront mes règles. Vous voulez que je fasse comme si je n'avais rien vu ? Exactement. Ne dites rien. Laissez-moi protéger ma vie et mon refuge comme je l'entends. Vous espérez que je vais le faire pour vos beaux yeux ? Le Nexus a besoin de ressources pour survivre. Et l'Aden en regorge. Je partagerai ce que je trouve, à condition qu'Eladen reste à moi. Ça fait longtemps que vous connaissez cette source d'eau ? On l'a trouvée il y a des années avec Asgard, lors d'une expédition minière. Les reliquats ont failli nous tuer. Je me suis tout de suite dit qu'il valait mieux garder le secret. Ça nous donnait un avantage. J'ai mis du temps à convaincre Asgard, mais il a fini par accepter l'idée, et il m'a promis de pas en parler. Marché conclu. Je ne parlerai pas de ce que j'ai trouvé ici. Vous avez fait le bon choix. En échange, je partagerai toutes les ressources que je trouve avec vous. Je vous laisserai tout ce que je peux dans mon bureau. Voyez ça comme un tribut. Thank you.
possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. La chaleur s'intensifie. Pionnière, nous approchons d'un site de charognard. Je vous recommande la prudence. La température ambiante est normale. Système de survie rétabli. J'espère que vous n'avez rien dit à personne. N'oubliez pas d'aller dans le bureau si ce n'est pas déjà fait. J'y ai laissé quelque chose pour vous. Je vais jeter un coup d'œil. J'aimerais tester ce sérum sur un sujet vivant, mais il nous faut un bon candidat. Retournez scanner les charognards au paradis. Je vous préviendrai si je repère quelqu'un qui convient. Son accord pour lui administrer le sérum. Je ne veux pas le forcer. Je sais pas ce qu'on vous a dit, j'ai que dalle. Je veux juste vous donner ce médicament. Ça pourrait vous soulager. Me soulager? Mais je me suis pas senti aussi bien depuis des années. J'en veux pas de votre sale médoc. En prenant ça, vous vous sentirez à nouveau normal. Vous allez pouvoir reprendre votre vie. Une vie d'esclave du Nexus? À s'ennuyer comme un rat mort? Non merci. Je suis libre comme l'air, maintenant. Eh ben putain, ça fait du bien. Laissez-moi tranquille, laissez-nous tous tranquilles. On est heureux comme on est. Et si votre cerveau continue de se détériorer? Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Prenez le sérum, allez. Et si je refuse? Je ne vous forcerai pas, mais ce serait une grave erreur. Vous me gonflez royalement. D'accord, passez-moi cette saloperie. Enfin. Je le prends, et vous me foutez la paix. Dégagez. J'ai l'habitude des patients qui refusent leur traitement. Mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux comme ça? C'est leur maladie qui parle. Vous croyez? Je me le demande. Je vais surveiller sa progression, et je vous enverrai mes résultats. Merci, Ryder.